Je suis Jacqueline Schneider, présidente du club APM Metz-Thionville Métropole. Avec tous les membres de mon club, nous avons la conviction que Metz peut devenir le point de ralliement de tous les dirigeants du réseau APM dans le cadre de la Convention 2022. Avec notre club, nous avons pour ambition d'accueillir à Metz la prochaine convention des clubs APM. Et bien entendu, pour cela, nous avons le soutien des 14 clubs qui composent notre grande région. Pourquoi Metz ? Metz est la ville de Robert Schuman, père fondateur de l'Europe, et de Jean-Marie Pelt, pionnier de l'écologie urbaine. Notre ville symbolise deux des plus grands enjeux auxquels nous aurons à faire face demain. Un développement urbain respectueux de la biodiversité et une Europe toujours plus unie. J'aurai plaisir à vous faire découvrir à Metz les incroyables surprises. La cathédrale, 800 ans cette année, le plus vieux théâtre, une architecture particulière avec des pierres jaunes, grises ou noires. Mais aussi ses commerces, très hétéroclites, des centres commerciaux nouvelle génération et des centres-villes historiques. Un des atouts de la ville de Metz, c'est son accessibilité. 1h15 à peine par TGV de Paris, des autoroutes très faciles d'accès et aussi, originale, la piste en vélo Charles le Téméraire, Luxembourg, Lyon. Sur le plan logistique, Metz a des atouts considérables. Premièrement, la possibilité de se déplacer uniquement à pied. Il y a près de 50 amphithéâtres autour du lieu d'accueil. Le lieu d'accueil est situé à moins de 5 minutes de la gare TGV. Et en plus, nous avons des traiteurs d'exception qui sont parfaitement capables de restaurer 5000 personnes en même temps. Metz fait partie des 5 dates avec Roland-Garros sur la scène internationale du monde du tennis. Nous avons été choisis par l'ATP en concurrence avec de nombreuses villes françaises. Notre événement, c'est 50 000 personnes sur 8 jours présentes, 160 entreprises partenaires, 2500 entreprises dans le village, mais surtout 15 000 repas servis. Alors cette aventure exceptionnelle, nous avons envie de la partager avec tous les dirigeants de l'APM. Et pour que le projet ait un sens complet, nous rêvons d'une thématique autour des symbioses, de l'écologie urbaine à l'écologie industrielle. Alors pour 2022, nous sommes prêts à vous faire vivre l'expérience Messine et à devenir pendant 2 jours le jardin des possibles.